Donc, dernier pilier, c'est le pacte stratégique avec la diaspora et les partenaires internationaux. Les partenaires internationaux, il est inutile d'élaborer là-dessus, sauf si on veut poser des questions. Je vous parle depuis très longtemps déjà, je sais que le temps est dépassé, mais pardonnez-moi, en quelques minutes, de dire pourquoi la diaspora est si importante et pourquoi nous en faisons un pilier de notre projet de société. Le Cameroun a la chance d'avoir une des diasporas les mieux formées. Je ne le fais pas par effet de mode, je l'ai dit, bien, et dit et écrit avant de me lancer dans la politique. Tout simplement par observation de ce qui se produit ailleurs. Ici même en France, pendant très longtemps, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, le Cameroun était, après le Maroc, en Afrique subsaharienne, le premier, et dans l'ensemble d'Afrique, le deuxième après le Maroc, pour le nombre d'ingénieurs sortis des plus grandes écoles françaises, que ce soit X, Central, Pont et Chaussée, ou tout le reste. Qu'en avons-nous fait? Je suis allé au Challenge. C'est une réunion annuelle des Camerounais de l'Allemagne. Belle initiative. J'étais impressionné d'abord par le nombre des participants, mais aussi par la qualité des gens que j'ai rencontrés là. Vous voyez, j'ai croisé X personnes, des filles comme des garçons, des femmes comme des hommes, parfois en jean basket, habillés, mais disent, mais c'est un docteur, c'est un médecin, c'est un ingénieur, aussi parfois dans les domaines où... l'aéronautique bien. Et je me suis rendu compte qu'il y avait probablement plus d'ingénieurs camerounais en Allemagne qu'au Cameroun. Ça venait conforter ma thèse selon laquelle la diaspora sera une composante incontournable pour le développement du Cameroun. Parce qu'elle est formée dans les meilleures écoles des pays développés, mais également elle a l'expérience de la compétition internationale. Elle a eu à se frotter justement à la compétition internationale. Ce dont nos pays ont besoin. Je parlais tout à l'heure du Maroc, c'est le meilleur exemple. Le Maroc, dans les années 70, n'était pas très très loin du Cameroun en termes, que ce soit du PIB ou d'indice de développement. Il n'était pas très loin, il était devant, mais pas très loin. Aujourd'hui, il est carrément de l'autre côté, puisque aujourd'hui, il joue un peu le rôle que certains pays occidentaux jouaient en Afrique, c'est-à-dire c'est un investisseur de premier plan dans tous les secteurs. Et y compris. C'est le pays qui offre les perspectives de formation, d'éducation à nos enfants. Un peu, on prend aujourd'hui, n'est-ce pas, l'avion pour aller au Maroc étudier comme nous, on prenait pour venir en France il y a 30 ans ou 40 ans. C'est dire le saut qualitatif qu'ils ont fait. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont su utiliser leur diaspora. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails. Mais ils ont su se positionner et maintenant ils sont dans les segments de la compétition mondiale. Le Maroc a deux constructeurs automobiles rien que français. Il y a Renault et Peugeot qui viennent s'installer. Et d'autres pays, voyant cela, l'homme veut s'installer. Le Maroc est dans le segment de la construction de l'Airbus. Ça veut dire qu'ils sont déjà à l'ère de l'aéronautique. Alors que, bon, nous, encore, on a assemblé quelques vélos à Douala, mais même cette assemblée. Elle envoie des gens de Western Union, c'est très bien. Mais elle peut encore mieux faire. Et elle fera certainement mieux avec le MRC. Je vous remercie.